ça fait 15 sous par Mauricien, par jour, dans sa période là. Un grand paquet nous casser là. Mm-hmm. Mais nous continuons à faire encore une grande décision extrêmement intelligente, style pour faire toll, un chose là, pour faire payer pour rendre d'abord lui. Péage. Mais ou pas faire ça, ça comme à dire, c'est soulier ça, vous avez mettre chaussette avant. Chaussette, dans ce cas, c'est mettre bon bis là aussi, mais faire un bon système de mass transit qui déplace du monde point transport. A à point B. Mm-hmm. OK? Des transports publics. Convenient, convenable, de qualité, oui, confortable. Et à Kon, Abib, jusqu'à preuve du contraire, nous restons un pays tropical. Mm-hmm. Faire chaud presque tout le temps. Est-ce qu'il y a l'hiver pour lui? Bon, pas ah, pour lui, non, mais c'est moi sorti qui a pu, oui. Sorti. Non, mais là, vous connaissez, vous avez une danseuse, une bise confortable qui roule jusqu'à tort, qui compte vignette. Après, une condition de vie, une améliorée. Mm-hmm. Avec ça, une affaire là. Et donc, nous. Et si elle nous mène auditeur qui peut suivre un débat, une discussion, le budget 2009, mais surtout, est-ce qu'il y a une alternative à la politique économique du gouvernement? Et nous, il y a Sanjay Jagat-Singh qui lit l'IPDIA qui effectivement il y a une alternative et nous pouvons continuer à discuter avec nous l'invité. Et nous, si elle est quand même, vous êtes capable, appelle-nous le 213 18 18 213 18 18. Donc, Taliala, où tu peux cause l'inflation, oui. et dans discours budget, le ministre des Finances, quelque part, dans son introduction, lui dit yes. Qui en 2009, prévision, c'est qu'il nous prenait un taux d'inflation moins que 4%. Oui. Donc, nous prenons un taux d'inflation moins que 4% en 2009. Là, vous riez ouais. Comme s'il n'est pas possible. Non, c'est pas. Non, premièrement, vous connaissez, moi, vous dire, ou bon, bidier, moi, pas écouter l'eau télévision, parce qu'il sait comment. Oui, mais il y en a dans ce domaine. Ouais, non, moi, je ne vais pas dire ça, parce qu'il y en a trop beaucoup mensonges là-dedans. Oui, trop moi, beaucoup de cut and paste. Vous connaissez, il n'y a pas baissé, il y a 24%. Comme un ministre des Finances responsable, ce qu'il est bien faire, il est bien définir un target, l'inflation. Okay. L'inflation, à Bible, c'est le pire ennemi des pauvres. Mm-hmm. En 2006, et malgré qu'il y ait tapé l'estomac, il y ait dit nous pouvons tout récord FDI, il vient à la télévision, il dit roupie, pas de déprécier depuis 2-3 ans, alors vous pouvez déprécier. Mais qu'est-ce que c'est ça, pas de déprécier depuis 2-3 ans, qui était satiné là pour pipa en caille, ça, pas de manger depuis 3 ans, bizarre, manger une côte. Donc finalement, l'inflation, il reste élevée pendant super longtemps. Mm-hmm. Pour donner une indication, jusqu'à la fin de décembre 2008, l'inflation qui ramassait en haine, in servit la population, par an, c'était 8,53%. 8,5%. C'est-à-dire, dans le langage populaire, nous le dire, la vie n'augmente pas. Presque 9%. Presque 9%. Attends, ça c'est une moyenne, ça. Mm-hmm. Le panier du CSO. Panier, ça, Bandimoun qui est au bas de l'échelle. Il augmente beaucoup plus. C'est d'Afrique par ça veut dire comment on calcule l'inflation, l'inflation. Les autres calculent, le CSO, oui. Central Statistics yes. Office, ils calculent selon un panier dans lequel ils mettent bon service et bon produit. Ouais. Mais dans la réalité, ce panier-là, il n'est pas nécessairement reflète. Payer là, pas pareil pour tout le monde. D'accord. OK. Mm-hmm. Pour Sud-Afrique, par exemple, zone calculée pour Bandimoun au bas de l'échelle, il y a à peu près 3% plus élevé. Donc, à Maurice, par si nous prenons ça raisonnement-là, le chiffre officiel des 8 points qui te chose, il dépasse 10. Oui, double digit pour Bandimoun au chose. D'accord. Mais là, où Pédiamon, il n'est pas possible qu'il nous n'arrive. Non, c'est qu'il n'arrive que ça. Ou fini à somme Dimoun avec l'inflation faux, en plus, ou faire mordaille avec chose. Ou faire l'inflation faux, ou ajoute 3 critères dans une piscine pour ne pas payer les travailleurs. Là, l'élection presque derrière la porte, nous arrivons 4 ans, jusqu'à qu'il faut décembre élection, qu'il faut. L'année prochaine. C'est pas, peut-être obligé l'année prochaine. Mm-hmm. Et ça, obligé, oui. Ouais. Et que, donc, il est un petit peu tard. Il est un petit peu tard. Là, la tisane, là. Ou peut venir de la tisane. Vous voulez dire, moi, il a tendance, selon où, là, nous n'arrive qui moi, là, nous n'arrive. Nous n'arrive juin. Est-ce qu'il y a une tendance qui est capable de prix qu'à baisser, prix qu'à. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ouais, d'affaires? Mais c'est moi, là, dans la vie de tous les jours, est-ce qu'il y paraît de ça? Est-ce qu'on voit l'asté ou mon produit, il va paraître qu'il peut baisser? Mais bien, tu sais que... Mais quand il peut baisser? Ça, ou bien, c'est un peu ce que... Non, mais ça, par exemple... 4%. Ouais. Non, qu'il faut un seul qui des affaires comme un pétrole. Ou que l'indice a fini de baisser depuis longtemps. En fait, l'inflation, il y a tellement des affaires...
qui comme a dit fait moun vin pauv mo si tout qui gouverneur ancien gouverneur la banque centrale ti dire dans ce premier entrevue d'un quotidien. L'étudier parmi d'autres choses, si je me rappelle bien, inflation is the worst enemy of the poor, pire ennemi des pauvres. Après, vous connaissez l'étudier, l'inflation, c'est comme une radioactivité. C'est pas moi qui dis ça, c'est dit. Ça coule là, pendant 4 ans quasiment, on donne des gens qui ont radioactivité. Ça coule là, on peut passer un ticket de la crème, c'est pas qu'il pas comme ça qui fait ça, Habib. Comme un ministre des Finances, si vous montrez où c'est lié par rapport à l'inflation, premièrement, vous avez qu'un target. Mais là, il met un target 4%. Non, il pas mettre un target. L'India, il pour moins 4%. Non, l'India, in passing, en passant, pas connaître pas par la lorette, l'India, où l'inflation pour venir 4%, et que si tu as un, comme je dis, d'une façon objectif là, qui va dire mon analyse, crédibilité, sous crédibilité par rapport à la pauvreté, mais il quasiment pas aucune crédibilité. Parce que ça, une autre affaire, il beaucoup de les devises rentrent dans le pays. Il y a un peu pareil comme les banques espagnoles, ils découvrent l'eau, ça. Moi, je dis à mon FDI, rentre dans le pays, il paraît comme les découvrent l'eau. C'est supposément, on vient plus riche. Vous savez, FDI, nous aurait dit, c'est foreign direct investment. Okay. Investissement ouais. Direct, étranger ouais. Direct. Ouais. Mais il y a un problème qu'ils ont fait là, pas de descendre, parce qu'ils ont, comment dire. C'est-à-dire, c'est moi dans le papier, ils sont rentrés. Ouais, mais qui ça ne s'en dit pour la vie de tout le monde. Il y a un peu pareil comme ça, bumper crop. L'India, bumper crop. Early harvest. Early harvest, personne ne vend tout ça. La majorité du monde ne vend tout ça. Donc, l'inflation, c'est ce qu'il dit, c'est bien faire. Mais là, il est trop tard. Et puis, comment. Moi, si je suis d'accord avec ça, ça fait game over. Vous avez ça fait là. C'est pas malgré les types, comment dire, les vinyles, ils mettent un target, ils commencent. Parce qu'il y a l'autre affaire qui est arrivée aussi, Habib. Relations industrielles, à cause de ça, il y a une petite tendue. Oui. OK. Ou faire l'inflation faux. Non, je ne sais pas si je vais vous dire comme ça, pas qu'à faire indexer par rapport à l'inflation. Mais qu'est-ce qu'il y a qui fait l'inflation des chiffres? Pas travailler pendant 3 ans. La façon de faire, c'est qu'arriver, vous faites l'inflation faible pendant suffisamment de temps, ben c'est un indicateur pour dire, hé, sa ministre des Finances, elle s'est aillée par rapport à la pauvreté, à l'inflation. Donc, nous avons fait des confiances. C'est là qu'il à place de négocier pour 1 an, ou qu'à négocier pour 2 ans. Il y a une confiance qui est établie. Donc, il y a un consensus, il y a un accord dans la durée. Oui, si tu as une liste de déclaration qu'il a fait, l'inflation, l'India a un trade-off entre l'inflation et que ce n'est pas croissance. Je fais que dire croissance négative 5,2%. Si nous guettons par rapport à dollar américain. À ce moment-là, je vais dire, si c'est fou, si vous connaissez par exemple, si tu as un pendant ce corps hier. Ok, il est content qu'on parle à Singapour. On a fait un petit calcul. Ça veut dire septembre 91, décembre 95, au premier mandat. Après, nous recommençons à compter ZIET 05 à décembre. Décembre. Mettons, nous arrêtons. Vous connaissez, si tu as une fait 5,1% de croissance en moyenne. Ok? Habib, c'est à peu près moyenne qui nous l'économie grandit depuis l'indépendance. Donc, c'est pas une affaire extraordinaire. C'est que si tu as dans le gouvernement, que Alimansou. Pas FS, nous avons aussi sa quantité là. Singapour, comment vous faites 7,8%. Ça, dans la monnaie moyen. Locale. Okay? Ça coule aller où mettre ça dans de l'or américain. Vous connaissez qu'arrivé, laisse-moi dire où. Si tu as une faire 2% croissance en dollars américains en moyenne, Singapour, comment vous pouvez faire 12%. D'accord, nous faire un autre break et nous rappelons à nos auditeurs et auditrices 213-1818, nous sommes en studio, dans le studio, Sanjay Jagat Singh, un analyste financier et l'hyperanalyse pour nous le budget et surtout l'hyperdire qui est une autre alternative, une alternative à la politique économique de Ramasitanen et de l'Alliance sociale, donc il y a un autre cimé selon Sanjay Jagat Singh. Hard talk. Retour donc avec nous invité Sanjay Jagat Singh, analyste financier qui avec nous. Dans nos studios, l'IPFR et l'analyse du budget 2009.